incendio que afecta a la provincia de Ñuble, en la región del Biobío. Gonzalo Ramírez está allí y nos cuenta qué está ocurriendo en esta mañana, cómo amanece esa zona. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta zona amanece con el mismo nivel de descontrol de una emergencia, ¿verdad? Que ya ha sido declarada toda esta zona de catástrofe. Seguimos acá en Quillón, estamos en el sector de Coyán. Con nuestro home brûlé, le dernier habitat du dernier animal. Con nuestro home arraché, le dernier racine du dernier arbre. Con nuestro home tié, le dernier abeille. Il ne nous restera que des machines, mais les machines ne se plantent pas. Il ne nous restera que des immeubles, mais les immeubles ne se respirent pas. Le 31 décembre 2011, un incendie ravageant plus de 20 000 hectares se déclare à la limite de la commune de Florida et Quillón dans la 8e région province du Biobío. Les difficultés auxquelles les communes et les services d'urgence ont dû faire face furent nombreuses. Pour M. Vergara, maire de Florida, une population démunie et choquée psychologiquement. Environ 80 habitants ont été sinistrés et environ 2000 personnes ont subi le manque d'électricité, avec impossibilité de se chauffer, de préparer à manger, de conserver les aliments au frais, de pomper de l'eau. Après enquête, la cause des incendies fut établie. Il y a eu 8 départs d'incendies simultanément qui commencèrent à calmer avec 6 km d'écart entre chaque pôle, ce qui prouve que cela a été clairement prémédité. De plus, des conditions météorologiques de grand vent et de chaleur ont accentué la propagation. Avec les pompiers, nous disposons des camions algifs, d'excavatrices, des camions ben, des petits camions pour transporter de l'eau, des hélicoptères de la CONAF, des brigadiers et des soldats. Nous avons eu des difficultés principalement liées à la géographie de notre territoire jalonné de collines. Ensuite, les hautes températures de l'été et finalement le vent. Nous sommes la deuxième commune la plus grande de la 8e région et notre capacité de réponse face à l'incendie a été lente. Nous avons combattu le feu par voie terrestre mais aussi par voie aérienne, grâce à des hélicoptères de la CONAF et des avions d'entreprise privées. Les conséquences de ce type de catastrophe sur notre vie quotidienne sont multiples. Notre environnement est fragilisé. Les ressources naturelles sont détruites. Les activités humaines sont affectées. Les conséquences directes de cet incendie sont des pertes de biens, des maisons, des champs cultivés, des revenus économiques au moins. Des écosystèmes qui ont été touchés et la biodiversité de la zone a été affectée. Alors, comment agir pour prévenir efficacement les incendies et sauvegarder notre environnement? Ce qui est important, c'est d'éduquer les gens, de leur faire prendre conscience de la nécessité d'une culture citoyenne. Nous avons appris qu'il manque énormément de culture civique. Il y a des comportements inadaptés qu'il faudrait rééduquer. Des mégots de cigarettes jetés, des feux de grillade improvisés en pleine forêt, en plein été. Les espèces endémiques sont des cadeaux que nous avons reçus de la nature. Il faut les préserver. Dans notre région, ces arbres sont présents dans les vallées et jouent un rôle important. Ils permettent de conserver la biodiversité. Agissons positivement en faveur de la planète et pour notre bien-être et celui des générations futures. À moins que, caché au fond de l'océan, il ne reste qu'une étoile qui brille, ou bien, quelque part dans l'univers, un trèfle à quatre feuilles, le dernier trèfle de la chance qui nous donnera la vie.